n'a commencé à site en bata.html. Pour ça, on a accueilli Vanessa qui pourra expliquer nous qui ça projet ça est, pour qui nous t'es venu à cli, comment nous réussir à faire tourner en réalité et qui gens ou même comme des vidéos ça capable d'aider. Bonjour Vanessa. Bonjour Alain. Mm-hmm. Bonjour tout le monde. Mm-hmm. En fait, projet Ambata.ha commencé en janvier 2019, l'association Haïti Nouvelia contacté l'association Jeanne Agraha dans le pays l'Inde pour proposer leur partenariat dans le combat de la corruption. À l'époque, ça, nous tenons mis temps en réflexion sur la meilleure façon pour nous combattre la corruption qui permet de nous réussir dans la bataille. Nous avons regardé ce qu'a fait dans l'autre pays, donc au Singapour, Guatemala, Rwanda et la Trier. Pays en fait qui ont réussi à faire la corruption à la caillou, juste à retourner un modèle dans la bataille. Ça. Tout pays, ça y est, ils ont bagarre en commun. À un moment donné, le gouvernement a décidé à piller dans la bataille. Nous sommes certains que les gens ont été intéressés au gouvernement nouvel à entrer dans la bataille. Là. Coup de compte pas de sembler pressé à rapport sur le coup de corps Petro-Caribéa. Gouvernement pas de sembler pressé non plus à enquête pour le procès Petro-Caribéa. Pas de sembler qu'il y a un pile exemple qui est applicable pour nous ici en Haïti. Et puis nous venons tomber sur le mouvement société civile là dans le pays l'Inde, sur un audit social qui fait ce projet. Yo. Même j'ai un audit collectif en va, qui a commencé depuis septembre 2018. Yo. En même temps, avec les efforts qui étaient faits pour cartographier l'argent qui bat en battable dans le pays, ça, ça qui permet à la population, quel que soit côté lié, dénoncer la corruption qu'a faite au jour le jour. C'est l'association Jeanne Agraha, une association qui semble en pile avec Haïti Nouvelia, nous voulons encourager la participation citoyenne dans le gouvernement du pays qui est responsable de la cartographie. Jeanne Agraha a lancé l'initiative ça dans l'année 2011. Depuis là, ça, il y a un succès qui est étudié dans diverses universités, comme Harvard, aux États-Unis. La plateforme nous fait partenariat tout avec l'autre association sur tout le continent. Ça te veut dire, nous avons fait partenariat avec Kyoto en Haïti. Nous finalons appliquer. Ça te prend un an échange en deux associations pour nous arriver 1er janvier 2020 signer un contrat pour Haïti qui est plateforme PAL officiellement. Mais, il y a un problème coronavirus et tout le bagage vient camper. Dans le mois de juin, nous avons travaillé sur une première tentative de lancement, mais nous avons eu un gros problème. En aide, ça qui nous a fait repousser la date de lancement encore. Dans le mois de novembre 2020, nous avons réussi à régler tout le bagage. Il y a quelques améliorations qui ont fait toujours, mais le site est fonctionnel. Nous invitons tout le monde à aller sur Ambata.ha pour commencer à aider à cartographier ça. Donc, si vous comprenez bien, c'est aller sous site en battable pour acheter à dénoncer car l'argent nous baille en battable. Mais après, qui ça qui arrive? J'en ai dit là, site ça là pour avant tout cartographier corruption, dans qui côté, dans qui institution les plus graves, pour une casse sous base de données ça y est, pousser pour plus transparence. Information ça y est disponible pour tout le monde qui bataille contre corruption. N'a partagé un règlement avec instance l'État qui bataille contre corruption tout. Le monde arrive sur le site ambata.ha, la pointe un bouton publier un rapport. Le clique sur lui, la mène à une page qui permet de choisir qui type rapport vous avez bien fait. Gagnez 3 options. Premièrement, moi payer l'argent imbattable. Ça, c'est pour les gens qui sont résignés par le code de imbattable pour qu'ils puissent rejoindre un service. Deuxièmement, moi c'est un soldat aligné. Ça, c'est pour les gens qui ont demandé de payer mais qui refusent. Et troisièmement, moi rencontrer un fonctionnaire honnête pour qu'il éclaire les lumières sur les gens qui ont fait travail ou bien dans le système. C'est belle bagaille, mais et si je voulais rapporter mon cas d'argent que payé en battable et je pas t'avais au connaissement? Oui, la plateforme nous permet de nous rester anonyme. Il permet de décider tout qui laisse ou veut nous voir une information en bail parce qu'il ne pas partager information ou pas voulez nous partager. Eh bien, tout bagaille en forme, Vanessa. Nous avons invité tout le monde à aller sur le site Ambata.ha pour commencer à dénoncer l'argent au bail Ambata pour payer pour service de calme. Nous tous avons intérêt à lutter contre la corruption. Nous tous, sans exception.
Corruption limite capacité du gouvernement pour servir les citoyens bien. Parce que, il empêche la construction de l'état de droit, bon institution publique à confiance en dirigeant. Il agit pour un frein pour le développement. Il empêche millions de monde vivre et vivre dans la vie côté yon cap prospérer, côté droit yon respecté, côté service et emploi disponible, côté yon vivre dans la dignité. Côté qui gagne corruption, démocratie menacée. La vie nous menace chaque jour. C'est pour ça que nous tous devons participer dans dénoncer la corruption dans le pays. Pour faire ça, arrivez sur imbattable.ht et puis partagez l'expérience. Nous ne pas connaissons pas, mais nous tous avons ensemble qui côté corruption qui fait dans le pays et qui joue nous la bataille contre.